Aujourd'hui, je viens ici, dans le Bumburaï. Salut. Ça, c'est du PC. Tiens, changez un peu. Vous qui roulez, est-ce que tu connais la route? Est-ce que tu peux témoigner juste un peu sur ton parcours? Parce que la première fois que je t'ai Bumburaï, tu portais une grande chemise comme ça. Mais maintenant, tu t'habilles des marques, tu habilles un Kabutura Dior. Okay, comment tu peux témoigner sur ton parcours, sur ton changement? C'est la réussite de mon travail, c'est la réussite de mon souffrance, etc. Je vais prendre le temps pour à la recherche de partenaires. La réussite de mon travail, ça se trouve. Roi, sur le métier de journalisme. Bon, il y a une amélioration parce que pour le moment, je fais mon travail, je fais tout ce que je vais étudier dans l'ambassade de la France. Je fais un voyage professionnel. Okay. Je fais un voyage professionnellement pour regarder comment je peux. Comment ils ont considéré le savoir-faire que tu avais? C'est indiscipliné. On t'appelait indiscipliné dans exactement. On disait que tu faisais de l'indiscipliné. Yeah. Ah oui. Oh. Yeah. Observatoire de la presse du Burundi. Le journaliste doit défendre la liberté d'expression, la liberté d'information et l'équilibre de l'information, ainsi que la liberté de collecter, de traiter et de diffuser des informations rigoureusement vérifiées et dont les sources sont crédibles. Parce que moi, je ne suis pas capable de parler en ces langues comme le chef. Je suis capable de mélanger Kirundi, Kiswahili, anglais, etc. Même chinois. Okay. Même il faut regarder les gens qui sont déjà fait beaucoup dans son terrain. Ok, comment tu as observé ta langue? Observer sa langue? Oui. Même l'ambassadeur là qui vous a donné des formations là, je ne crois pas. Mm-hmm. Si tu le prends le Muzungu là et puis tu le mets ici, tu fais qu'on peut discuter en Kirundi. Mm-hmm. Et tu vas rigoler. Toujours vous me demandez cette question. Enfin, est-ce que moi je suis un producteur d'enfants? Gusundura, c'est un mot. C'est atteindre l'objectif. Tu as un objectif, tu as là où tu vas, où tu veux arriver, tu es là d'où tu viens, où tu es et où tu vas. Alors, le jour où tu seras où tu veux aller, là tu aurais Sundure, c'est-à-dire atteindre l'objectif. Je vais aller là-bas. Quelle est la différence entre Landry Promoter avec les autres que tu as déjà fait l'interview en français? Landry Promoter n'a pas peur. Je te donne ce livre en grand plaisir. Ok. Parce que tu es mon grand frère. Ok. Que tu as déjà vu beaucoup de choses dans son métier. Ok. Il faut. Le roi numéro 1, bar 19. L'entertainment, la divertissement. Yeah. Le cinéma. Comment est-ce que papier. Tu vas préparer les fausses informations pour les rendre réelles aux yeux de messieurs, spectateurs? Simbiz, je te dis qu'il faut regarder comment tu as. Il faut regarder entrer même sur ça. Je fais semblant de prendre les images. Simbiz qui fait quelque chose qui sondure. Commissaire Enapo. Ok, je vais prendre le temps. Ok, Monsieur Simbizi, il a beaucoup de choses qu'il a fait, mais pour le moment, il est bien, j'ai déjà terminé. Ça. C'est bon. Mais le commissaire, il a fait. Il y a beaucoup de. Et il m'y tourne à 40. Oui, Oleg. Oui. Il chante la chanson de qui viole la Kirti. Il faut essayer de. Je vous aime beaucoup. Partagez cette vidéo au maximum. C'était une vidéo éducative. Et ben Olivier Aguera, salam salam. Ouais, Pache. D'ailleurs, tu connais qui fera ça? C'est ma bombe, voilà quoi, mon nom. Ça? Adje! Tu gagnes quoi? Tu veux dire 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 quoi? Ah, on est au Hip Hop TV.
Yo no musi je nababwiye yuko nzobazanira I content imwe nyine. Que tu te toques à menge pas qu'à pas quoi. Alors on peut te abîmer qu'à menge d'ailleurs. Parce que là, moi, il est tard. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Aujourd'hui, je viens ici dans le Vumburai. Aujourd'hui, c'est mon tour. Salut. Ça c'est du PC. Voici, je suis dans Hit Top TV. Est-ce qu'il n'y a pas le système d'éclairage ici? Quoi? Non, il y a là-bas, il y en a. Il y en a. Voilà. Bonjour, bonjour les fans de Simbizo Semavumba, comme vous avez vu, je suis chez Landry Promota. Monsieur, comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Non, non, moi j'ai beaucoup d'émissions. J'ai beaucoup d'émissions en Kirundi. C'est pour cela aujourd'hui j'ai changé et je fais en français. Est-ce que tu trouves comment faire une interview en français? Ok, je suis capable de faire. Ok. Ok, alors tu peux saluer tes fans de Mutanani quoi. Ok. Hello, hello. Comment ça va? Je m'appelle André Promota. Mutananigo. Exactement. Ok. Et le fils d'Okamenge, maintenant tu habites dans un étage. Tu le trouves comment? Dieu seulement. La grâce de mon travail. La grâce de ton travail. Alors, est-ce que tu peux témoigner juste un peu sur ton parcours? Parce que la première fois que je t'ai vumburé, la première interview avec toi, c'était avec Akes. Tu portais une grande chemise comme ça, mais maintenant tu t'habilles des marques, tu habilles un Kabutura Dior Suprême, tu vois, c'est Dior aussi. Ok. Mais avant, hein, tu as changé dans trois ans, c'était en 2019. Maintenant, dans 2022, tu as complètement changé. Quelqu'un qui t'a vu en 2019, qui te voit en 2022, tu as changé. Okay, comment tu peux témoigner sur ton parcours, sur ton changement? C'est la réussite de mon travail, c'est la réussite de mon souffrance, etc. De ton souffrance? Yeah. Comment tu as souffert? Je t'ai fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de travail que je t'ai fait, mais pour le moment, je suis bien dans mon travail. C'est bien dans ton travail. Ça, c'est le siège social de Hit Top TV. Comment tu as pensé à faire ton propre média? Je vais prendre le temps pour à la recherche de partenaires et aussi. La réussite de mon travail, ça se trouve exactement dans le chat qui le partenaire, ma partenaire. Ça c'est mon ami, ça c'est mon frère, il s'appelle Andy Promota. Il est passé à la prison centrale. C'est pour cela qu'il dit qu'il a beaucoup souffert. Et alors, on ne t'entend plus dans des dossiers. Comment ça se fait alors qu'avant elle avait toujours, il faut emprisonner ce type? Pour le moment je ne sais rien. Pour le moment je ne sais rien parce que c'est le temps passé.
Donc, comment tu fais à ce que comment tu fais plus des contenus qui te poussent dans aller dans des dossiers avec la justice? C'est le temps passé, bro. Non. En fait, avant, on t'a connu. Il y a des personnes qui t'ont connu quand tu étais. Bon, le fait qui t'a fait, qui t'a boosté. Tu as passé à la prison centrale. Tu as fait un contenu. Tu as été là-bas pour ton travail. À cause de travail, tu es passé devant la justice. Mais maintenant, tu passes plus à la justice. Tu es en ordre, tu fais tes émissions, tu n'as pas encore fait une émission et puis quelqu'un va ouvrir un dossier, oh, j'ai mal entendu avec la justice. Le dossier là sont passés. Bon, pour le moment, j'ai déjà changé comment je peux faire mon travail. J'ai déjà changé beaucoup de choses pour mon travail. Et pour le moment, j'ai déjà amélioré mon travail. Est-ce que dans ta carrière, as-tu déjà eu des formations? Exactement. Grâce à l'ambassade de la France. Ok. Tu as fait que c'était une formation. Tu as été certifié? Oui, exactement. Ok. Fondamentaux de journalisme. Ok. Avec ce que tu as appris, ce que tu as amélioré, on t'a juste enseigné quoi? Cette formation. Roi, sur le métier de journalisme. Okay. Définition d'un vrai journaliste. Okay. Points fondamentaux de journalisme. Okay. J'ai déjà vu comment le journaliste prépare le papier. Okay. J'ai déjà vu beaucoup de choses. Okay. Yeah. Ok. Alors, avec ce que tu faisais avant d'aller apprendre de faire ces formations, est-ce qu'il y a une amélioration avec les cours que tu as eu? Oui. Ok, comment? Bon, il y a une amélioration parce que pour le moment, mon travail, je fais tout ce que je vais étudier dans l'ambassade de la France. Ok. Yeah. Enfin, c'est pour cela que tu as changé, puis tu as cherché quelqu'un d'autre qui fait le Moutanani, voilà. Parce que toi, sur le Top TV, on te connaissait, tu faisais des vumbourages là-bas, partout, tu faisais des émissions. Mais maintenant, tu as amené quelqu'un d'autre, M. Alvin Gouch. Il fait ce que tu faisais. Est-ce que c'est ta préparation pour la carrière professionnelle de... Pour le moment, je fais vumbourage en professionnel. Okay. Professionnellement. Yeah. Okay. Je fais vumbourage professionnel. Okay. Yeah. Et je fais vumbourage professionnellement pour regarder comment je peux. Je peux améliorer mon vomboulation. Okay. Parce que j'ai déjà vu le roi sur la presse. Ouais. Okay. Ouais. Bon, à partir des formations, là, quand on t'a vu Landry Promota, il est assis là-bas dans la salle avec les autres. Et là, on connaît son monde. Mmh. Et puis, comment est-ce que les formateurs, comment est-ce qu'ils t'ont considéré? Après avoir analysé ce que tu faisais, ce que tu faisais, parfois il y a des gens qui disent que c'est hors la loi, la loi du métier. Alors, comment est-ce que toi, qu'est-ce qu'ils t'ont suggéré juste à partir comme tu traitais tes informations. Monsieur Simbiz, pour le moment, je suis capable de préparer. Mais avant, tu ne préparais pas. Tu faisais des vomborages. Même si tu faisais le préparation. Mais pour le moment, ok. C'est avant. Mais pour le moment, je suis capable de préparer le papier. Oui. De traiter, je sais bien comment je peux traiter l'information. D'abord, avant. Comment ils ont considéré le savoir-faire que tu avais? C'est indiscipliné. On t'appelait indiscipliné. Exactement. On disait que tu faisais de l'indiscipline. Yeah. Ah oui. Ok. Oui. Mais c'est l'avant. Mais pour le moment, je suis capable de traiter l'information. Je suis un vrai journaliste qui est professionnel. Est-ce qu'ils n'ont pas montré une ligne directive qui corresponde à ce mais que c'est l'avant. Non, moi ce que je veux dire, toi tu as ton savoir-faire. Okay, attends ici. Je reviens. Ok. Moi, ce que je veux seulement, c'est avoir 10 minutes.
Oui, mais là, c'est bon. Alors, je crois qu'il va apporter les papiers justificatifs. Mais là, Landry Pomota, c'est un vrai professionnel. Mais tu vois que s'exprimer, c'est très facile. Il suffit tout simplement, et puis, boum. Et c'est fini. Voilà, la code de déontologie. Micro. Oui, le micro est ouvert. Ok. Ah. Observatoire de la presse du Burundi. Code de déontologie. Déontologie. Tu connais ça? La code de déontologie. Ok. Préambule. Les journalistes burundais, convaincus qu'il y a le droit à l'information, à la libre expression et à la critique, est une des libertés fondamentale de tout être humain. Okay. Tu vois, il y a l'article. L'article. Ce qui ne signe pas, s'imposer rigueur dans le choix de terme. Je dois défendre la liberté. Ok, article 7. Le journaliste doit défendre la liberté d'expression, la liberté d'information et l'équilibre de l'information, ainsi que la liberté de collecter, de traiter et de diffuser des informations rigoureusement vérifiées et dont les sources sont crédibles. Et ce que tu ne faisais pas. C'est mon réponse. C'est ton réponse? Oui. En fait, avant, tu ne faisais pas ça. Tu créais des buzz. À la classe de l'information. De formation. Et maintenant, tu vas faire plus les buzz là, les faire des fausses informations. Je suis capable de préparer tout. Mais, okay. Mais en discipline. Okay. Mais en utilisant le code de déontologie. Le code de déontologie. Yeah. Maintenant, on a un Landry Pomota qui est professionnel. Pour le moment, je suis professionnel. Le petit Dokamengue. Le petit Dokamengue. Le voyage Dokamengue. Jusqu'ici au Kigobe. Jusqu'ici au Kigobe. Et maintenant, il est entré à l'ambassade. Exactement. Avec ce bumbourage. Exactement. Hey. Tu te sens comment? Mais pour le moment, j'ai déjà pris la place sur l'ambassade de la France. Je suis capable de discuter avec les Muzungu là. Les Muzungu là. Alors pourquoi tu avais refusé avant mais de pas faire les Muzungu, les Bazungu. Les Bazungu. Alors pourquoi avant tu avais refusé de qu'on fasse une interview en français? Alors que tu connais le français, alors que tu as parlé avec les Bazungu là. Je sais. Avant tu avais refusé. Mais je suis capable en anglais. Non pas en anglais. Mais en anglais mais en français. Et pas en anglais. Maintenant c'est en français parce que demain tu peux te retrouver devant le plateau de France 24. Comment tu pourras t'exprimer alors que tu es Mutanani? Moi je suis capable de faire ça. C'est ça alors. Oui, moi je suis capable. Aujourd'hui. Mais tu as peur. Exactement. Alors tu trouves comment mon émission? Parce que moi, je ne suis pas capable de parler en ces langues comme le chef. Je suis capable de mélanger Kirundi, Kiswahili, Anglais, etc. Même chinois. Alors, tu trouves comment mon nouvelle émission en français? Vraiment, c'est très bien. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est très bien, c'est très bien, c'est très génial. Okay. Vraiment, il faut continuer de faire ça. Okay. Même il faut regarder les gens qui sont déjà fait beaucoup. Dans son terrain. Oui. Alors, qu'est-ce que tu peux suggérer à les gens qui refusent de faire? Toi, je vais faire avec toi une interview en français. Toi, tu recherches celui qui pavé 11e avenue, Kamenge. Comment pavé? Il faut chercher les autres. Il faut juger les autres les gens. Les autres gens. Qui ont déjà vu beaucoup dans son terrain. Dans son terrain. Oui. Ok. Alors, qu'est-ce que tu peux qu'est-ce que tu peux dire? Tu peux, hein? Non, attends, le français c'est la langue de. C'est pas notre langue. La langue de Bazungu. Tu parles de parler Kirundi, je sais bien. Oui, je sais bien. Même Kiswahili. Est-ce que tu sais que je manque un mot? Il m'a dit. Non. Ok. Mais toi, je te fais prendre. Il a manqué de mots en français. Il m'a dit. Il va entendre en français. Mais toi aussi, tu peux essayer. Tu peux me poser des questions. Ok. Je prends mon temps.
Toi, tu viens de l'ambassade de France. Tu vois la réformation là que tu as. C'est l'ambassade de France qui a financé ça. Exactement. Mais je suis capable de vivre en France. Oui, oui, mais. Je suis capable de parler des questions en français comme Moutanani. Comme tu le fais, les bacons. Don't worry. Don't worry. Pas de problème. Ok. Monsieur Simbizi, comment tu as trouvé un diplomate pour faire une interview de français? Eh, ça m'a trouvé. Pourquoi tu penses? Non. Pour faire une interview avec Landry Promota. Parce que Landry Promota, je l'ai vu dans l'ambassade faire des formations en français. Et aujourd'hui, je suis venu ici pour essayer. Ok, comment tu as observé ta langue? Observer sa langue. Oui, 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 c'est bon. Parce que même si l'observation de Landry Promota, c'est bon, c'est très bon. C'est très bon. Il a... bon, c'est pas beaucoup de. Parce que même l'ambassadeur là qui vous a donné des formations, là, je ne crois pas. Mm-hmm. Si tu le prends le Muzungu là, et puis tu le mets ici, tu fais qu'on peut discuter en Kirundi. Mm-hmm. Et tu vas rigoler. C'est pour cela qu'il n'y a pas de problème. Ok. Monsieur Simbiz, Idriss Simbiz, tu as combien d'enfants? Et les enfants, tu en as encore? Ah, man. Pour le moment. Pour le moment. Mm-hmm. À gogo. Moi, je sais bien. Un enfant. Un enfant. D'où? Non, pas enfant, les enfants. Alors pourquoi toujours vous me demandez cette question? Enfant. Est-ce que moi, je suis un producteur d'enfants? Tu as aimé beaucoup Kusundura. Kusundura. Give me the meaning of Kusundura. Kusundura. Kusundura is just to just to. C'est. Parole française aussi. Bon, Kusundura, c'est un mot, c'est atteindre l'objectif. Si tu as, parce que toi par exemple, tu as un objectif, tu as là où tu vas, où tu veux arriver, tu es là d'où tu viens, où tu es et où tu vas. Alors le jour tu seras où tu veux aller, là tu aurais Sundura, c'est-à-dire atteindre l'objectif, je vais aller là-bas. C'est comme aujourd'hui, hier on a parlé que je dois faire une interview avec Landry Promota. J'ai refusé, mais j'ai tout fait parce que c'est-à-dire, l'objectif, j'ai atteint mon objectif de faire là, c'est-à-dire, Nasundouye. Ok. Quelle est la différence entre Landry Promota avec les autres qui ont déjà fait l'interview en français? Landry Promota n'a pas peur. Les autres, ils disent, oh mais non, il non, il est capable de parler, même si les autres ont peur. Ils ont peur de s'exprimer, ils disent, oh, les Français, non, on va, c'est pas, hey! Non, mais moi, je ne connais pas le français, je me suis hasardé, je dis, ah, tu vois comment j'ai commencé à faire l'interview en français. Un jour, j'étais en train de, il y a une interview que Kole Shumanya était en train de faire, un jour, je l'ai appelé, et je ne sais pas comment, follement, ça m'est venu à la tête, et je lui ai parlé en français. Et il m'a répondu dans un français qui était bizarre. Il dit, mais je vais devoir, je viens de recevoir une idée. Directement, j'ai eu l'idée de faire en français. Il y a aussi, parce que toi, tu es mon grand frère. Ok. Je sais bien que tu as bien étudié. L'article, il faut prendre le temps de m'exprimer. L'article 3. L'article 3. Le journaliste. Le journaliste s'abstient de publier des articles ou de diffuser des informations à caractère obscène ou qui encouragent le vice, le crime ou toute autre activité contraire à la dignité humaine. Okay. C'est-à-dire quoi? Cet article, en fait, il y a des gens qui publient. Par exemple, tu vois, il y a des informations qui ont passé en 2015. Les informations qui appelaient à quoi c'était, quoi c'était, parce que c'était sur promouvoir l'insurrection par exemple. Toute activité qui déstabilise. Tu vois? Parce que. Il y a le mot que je ne comprends pas bien ici. Encore le crime ou. Toute activité comptée à la dignité humaine. Parce que tu ne peux pas un crime. Il y a beaucoup de gens qui font l'interview bizarrement. Mais non. Non, faire l'interview bizarrement, pas de problème. Mais il y a des interviews qui font promouvoir la violence. Tu vois? Exemple. Par exemple. Hein? Même la constitution burundaise.
Par exemple, la constitution burundaise. Il faut donner un exemple. Je vais donner un exemple. Par exemple, la constitution burundaise interdit. C'est pour exemple. Oui, non. Par exemple, la constitution burundaise interdit l'homosexualité. Et puis toi, tu te souviens l'interview que tu avais fait avec. C'est voilà. Tu avais violé cet article. Et Dieu. Tu es Urumupede. Tu es gay. Et tu es gay. C'est ça. C'est ça. Cette activité est comptée à la dignité humaine. Tu vois, il y a les gens qui ne prennent pas le temps pour lire tous ces articles. Article 6. L'article 6. Le journaliste est responsable de tous ses écrits, même ce qu'il ne signe pas. Tu es responsable. Est-ce que tu n'as pas déjà entendu les gens qui sont dans les tribunaux là-bas à cause de quelque chose qu'ils ont posté? Il y a les journaux. Il y a Kess. Oui, tu vois. Même moi aussi. Même toi aussi, tu as été. Tu es responsable de ce que tu as fait. Parquet, c'est ça. Alors, c'est pour cela ce que je peux conseiller. C'est de faire. Il faut préparer avant de faire. Même avant de poster, il faut préparer. Il faut voir est-ce que ce que je vais poster a un impact. Oui. A un impact positif ou négatif dans la société. Même c'est pas tous les posts qui sont positifs qu'on doit poster. Parce qu'il y a des posts, par exemple, je peux pas poster. Tiens, un autre là-bas. Mais répondre, c'est très dire, maman. Landry, certificat. Douguan, je suis venu ici et je vais mourir moi-même. Tu fais mon tour. Ok. Aujourd'hui, je suis venu ici et je vais mourir ici. C'est la première fois que je veux interviewer sans lunettes. C'est la première fois. Ok. Yeah, je suis venu ici et je vais mourir. Je te donne ce livre pour. Je te donne ce livre en grand plaisir. Ok. Parce que tu es mon grand frère. Ok. Que tu as déjà vu beaucoup de choses dans ce métier. Ok. Il faut. Le roi numéro 1, bar 19, le 19 septembre 14 septembre 2018, portant modification de la loi numéro 1, bar 15, dit le 9 mai 2015. Régissant la presse au Burundi. Page 16. Ça, c'est la loi sur la presse. La loi de 2018. 16. Ok. Dans l'exercice de leur métier, les journalistes et techniciens d'information ont droit à des difficultés, des facilités, qu'elles sont consenties par l'État en vue d'accomplir leur mission. Non, si. L'espace des essais est tout indépendant et la responsabilité de l'ensemble du territoire. Ok. Le journaliste exerce son métier en toute indépendance et en toute responsabilité sur l'ensemble des territoires nationaux. Dans le territoire national du Burundi. Mais il y a beaucoup de gens qui font le comportement bizarre. Okay. Et, non, je ne comprends pas comment tu as pris mon parcelle, tu as pris mon territoire. Mais. Article 49, les journalistes exercent son de tout le territoire. C'est-à-dire que tu peux venir, tu pars à Makamba. Tu pars à Makamba, même toi aussi. Et tu pars. C'est quoi? C'est le place de Boudia FM. Sous ce dîner. Il y a des erreurs que tu as fait là.
Non, je n'ai pas fait les erreurs. Mais non, tu as fait, tu n'as pas fait les erreurs. Mais regarde ici, l'article 45. Le journaliste exerce son métier en toute indépendance et en toute responsabilité sur l'ensemble des erreurs de la société. Dans l'exercice de son activité, il a accès aux sources d'information et peut enquêter et commenter librement sur les faits de la vie publique. Parce que là-bas, c'est un espace public. Yeah, exactement. C'est une, parce que c'est, tous les espaces de l'État, ce sont des espaces public. Yeah. Et alors, ce qui est grave, c'est un espace commercial. Mm-hmm. Moi, j'ai fait quoi? J'allais promouvoir l'espace commercial, l'espace public. C'est pas l'espace privé. Mm-hmm. C'est public. Exactement. Et les responsables sont venus. Pourquoi tu fais ça? L'article 45, c'est vraiment c'est l'article pour moi. Mais attention. Mm-hmm. Pour que tu sois protégé avec cet article, tu dois avoir la carte de presse. Est-ce que tu en as? Mmh. Pour être appelé un journaliste, tu dois avoir la carte J'ai de presse. J'ai déjà fait la demande. Ok. J'attends la réponse. Alors, ouais. Est-ce que vous avez déjà enregistré votre, votre média? Non, oui. Pas API. Mmh. Dans la registration à la base de CNC. Pour la Exactement. J'attends la réponse. Tu as déjà mis le dossier en scène. Mon demande, il est déjà. Oui. Pour Top TV. Oui, exactement. Alors, c'est quoi votre ligne éditoriale? Entertainment. Comment? Divertissement. Divertissement. Oui, entertainment. C'est lui qui a des talents. Okay. Je suis capable de promouvoir ce qui est des talents. Oui. Promouvoir. C'est l'entertainment seulement. Seulement. Oui, seulement l'entertainment, la musique et le sport. Est-ce que pas un jour je viendrai de poster là les politiques? Non. Ouais. Toi, c'est l'entertainment seulement. Oui. Alors, comme si. Bon, parce que. Alors, dans tout ça, mm-hmm. dans les entertainments, mm-hmm. il y a les showbiz là que vous créez qui ne sont pas vrais. Il y a des histoires que vous créez, vous réalisez. Mm-hmm. Hein? Alors comment à grâce de nos comment cette loi, qu'est-ce que cette loi va vous aider alors que cette loi est basée sur la vérité, sur la réalité? Mm-hmm. Et, ambassadeur Willy Nyamitwe, okay. Mm-hmm. Okay. Il a dit que le showbiz ici au Burundi existe. Ok. Mm-hmm. Mais un journaliste est censé de dire. Mais ça dépend de la ligne éditoriale. Tu es censé. Ça dépend de la ligne éditoriale, bro. Tu es censé de dire la réalité. Exactement. Hmm? Tu es censé de dire les faits réels. Exactement. Mais il y a. Mais le showbiz. Hey, il y a ce qui. Il y a les showbiz qui sont vrais mais qui ne sont pas réels. Ok. Parce que mais par qui exemple, ne sont pas réels. Par, mais par exact. Je peux pour, créer. Pour préparer le showbiz, il faut regarder comment on peut sortir dans ce. Pour regarder comment on peut sortir avec. Un conseil qui veut vraiment motiver beaucoup de gens, moi, beaucoup de jeunes. Okay. Par exemple, pour moi, uh-huh. celui-ci est un entertainment, un divertissement. Okay. Ok. Si je suis capable de préparer le showbiz, okay. je suis capable de préparer le showbiz et encore je suis capable de préparer la sortie de. Ce showbiz. Mais alors, tu vois que le showbiz que tu as préparé, c'est pas réel. C'est pas la réalité. Mais. Ça dépend. Mais les showbiz que vous créez. Toi, tu as combien d'enfants? Tu as combien d'enfants? Est-ce que ça, c'est pas chez. C'est pas des bêtises. C'est 4 enfants. 4 enfants. Allez, 4 enfants. Tu viens de c'est demander. Pas showbiz. Mais c'est réel. Mais c'est pas des bêtises, c'est réel. Ça, c'est réel. C'est réel. Mais il mais y a. C'est le qui. Mais si je vais. Par exemple, je peux créer. Il y a une fille là-bas qui est à Landry pour longtemps. 3 filles. Non, attends, par exemple. 3 filles, 4 enfants. Attends un peu. Alors, ici, ça peut venir. Il y a une fille là-bas qui vient toquer sur le portail. Landry pour longtemps m'a enceinté. Moi, je peux créer ce buzz. Landry pour longtemps. Une fille même que tu ne connais même pas. Non. Pas buzz, c'est réel. Non, ça. Je peux créer ça. C'est réel. Parce que ça. Mais c'est réel, bro. L'article 32. Ok. Sont soumis à l'autorisation du conseil de communication. Communication. Les sociétés, les entreprises de communication sur le net. Les entreprises de communication audiovisuelle publique et privée. Et privée. Les journaux et publications des publics et privés, les cinémas, les publicités. Ici, les cinémas. Les cinémas. Mais ce sont des maisons qui produisent ça. Les entreprises qui produisent. Et c'est comme Hit Top TV. Mais Hit Top TV, produit. Quand tu entres. Je suis capable de. Tu n'es plus journaliste. Oui, je suis journaliste. Non, quand tu entres dans la production, dans la réalisation, tu fais la réalisation de l'entertainment, le divertissement, le cinéma. Il y est.
Il y a le divorcement. Moi, je dis sur. En fait, ce que je suis en train de dire, mm-hmm. toi, tu fais le métier de journaliste. Mm-hmm. Et un journaliste est censé de dire c'est les faits. Pour le moment. Ah, même pas à l'avant. Oui, ok. Même pas à l'avant. Oui. Moi, ce que je dis, c'est ça. Et... soit tu fais le métier de journaliste. Mm-hmm. Et un journaliste est censé de dire la réalité, mm-hmm. les faits réels. Mais en vrai, journaliste, il est capable de. Il y a les faits qui ne sont pas réels, mais qui sont vrais. Parce que le consommateur, quand il voit l'information. Ok. Ils tous, se sont il battus, faut regarder comment tu as préparé. Il faut regarder bien comment tu peux préparer le papier. Alors comment alors, tu vas préparer comment est-ce papier. Que tu vas préparer les fausses informations pour les rendre réelles aux yeux de messieurs, spectateurs. Simbiz, je te dis qu'il faut regarder comment tu as il faut regarder entre même et sorti. Non, mais c'est mais il y a beaucoup de gens qui font qui fait le showbiz, mais ils ne comprennent pas comment ils vont finissent à la prison. Il y a les centrales de Mimba. Mais pour moi, par exemple, je suis un diplomateur et je fais semblant de prendre les images Simbiz qui fait quelque chose qui sont durées. Commissaire Enapo, pourquoi tu as fait quoi? Tu as pris le temps de parler de la sexualité? Si tu es en train de. Moi? La police demeure, c'est là-bas. Ok, je dis, monsieur le commissaire, il faut vraiment, il faut attendre. Mm-hmm. Mais parce que je suis déjà préparé comment je peux sortir. Mais si tu prouves avec ta vidéo. Si tu reçois mes vidéos. Okay, après, tu fais ça. Ok, je vais prendre le temps. Ok, monsieur Simbi ici, il y a beaucoup de choses qu'il a fait, mais pour le moment, il est bien, j'ai déjà terminé. Là. C'est bon. Mais le commissaire, il a fait. Mais si tu prends les vidéos sexuelles là-bas, si tu veux quelque chose. Pas là-bas. Sexuel. Et. Parce que il y a beaucoup de choses ici au Burundi. Il y a beaucoup de et Michoura Karang. Oui, aussi la Kirti. La violence de Mers. Même tu connais bien moi. Oleg. Il chante le chanson qui viole la Kirti. Oui, mais moi, je prends le temps de faire une interview avec Oleg pour violer la Kirti. Toi et Oleg, on vous a embarqué. Pour violer la Kirti. Ça termine où? Vous étiez des choumis. Ça termine où? Vous étiez des choumis. Ça termine d'être des choumis là-bas. Au centre de Bimba. Alors, je crois qu'on a fait un bon interview aujourd'hui. Je pense, mais... je demande pardon pour les erreurs que tu t'es bien exprimé. Il y a même les directeurs généraux. Quand tu vas dans son bureau, tu mets le micro là-bas, il commence à trembler. Oh non, ici, il vient chercher les verbes et tout, mais le vocabulaire. Mais c'était bon. C'est l'entertainment. Je parle comment je me sens. Hey. C'est très bon. Hey, alors qu'est-ce que tu comme ça? La dernière mot. Ok. Il faut essayer de pas. Ça va le placer. Il tue à nous avant. C'est coincé. Il faut essayer d'exprimer. Qu'est-ce que tu peux conseiller? C'est ce que je t'avais dit. Ok. Ok. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux autres artistes qui ont fait. De faire une interview en français. Ok, pour mon domaine, domaine de journalisme, même les youtubeurs, il faut regarder comment tu gagnes le temps de prendre des formations. Okay. Et même il faut essayer de faire comme ça. Il faut rechercher l'indépendant promoteur. Comment tu as fait pour faire comme ça. Avec ces affaires de sorcellerie là qu'ils ont déjà commencé. Diwaze vraiment. Diwaze vraiment. Ça c'est PC. Et moi aussi j'en ai PC. On m'a pessiné ici toujours, je fais. C'est le sort de poison. Alors comment le médicament? C'est quoi le médicament? C'est Moutanani quoi. Tu as donné le médicament? I believe in God. Ça fait PC. Pourquoi vraiment? C'est des méchants.
Il veut mon Ok, monsieur Simbiz, okay. Tu es capable de parler français? Oui, oui. Oui, tu es. Ok, yes, I'm here to ask some questions, my brother. Ok. No problem. Are you ready? I'm ready. You ready, no, my brother? Yes, I'm ready. Okay. Mr. Simbiz, what are you doing right now, bro? Now I'm making some show. I'm making the show with Randy Promoter right now. Making show with French. But now you choose to change and to put him in English. But I don't care, bro. Mm-hmm. Yeah. Me, I'm a soldier, I'm a fighter. I'm a fighter. I know you. I'm a Toto City. I was born in a ghetto. Okay, I know you. You're the big fighter. Yeah, fight, okay, me also, I'm fighting. Yes. I'm fighting. Yeah. Okay, Simbizi wasema vumba. Uh-huh. You can give the meaning of Simbizi wasema vumba. Simbizi wasema vumba are my roots. Just my roots. Mm-hmm. Huh? It's my old father, my grandfather. Why taking the name of father? Because it's my root, it's me. Mm-hmm. I come from there. Mm-hmm. If Simbizi didn't exist, even me, I can't exist. Yes, is that? Mrs. Simbizi, can you explain our people's the meaning of Gusundura in English? Just is to join the target. To join the target. Yeah? For example, you know that last day I meet you. I met you at Ingo Bar. And I told you that I can make some show with you in French. Eh? You complicate the thing, but me I fight so that we can make that interview. Huh? The way I did it and I get it is to sundure, because right now I'm making it the interview that I was fight for. Okay, finally, is that Gusundura? Is it to get to the target? Okay, finally, I'm so happy. Not only to get to the target, but you must fight. Mm. Because you have, for example, we know where we start. Mm-hmm. You start from Kamenge. Mm-hmm. Eh? There is the way you are now, and the way you want to be tomorrow, the way you want to be in the future. When you will be, right now you are fighting so that you can be at that place. So, the way you are fighting, the way to explain. When okay, you will be okay, at the okay, place you want okay, to be. Okay, okay, you, okay, mister. Is that okay. To sundure? Okay, to okay. Be in the place that okay, you fight for. Okay, finally, I'm so happy to do an interview with you. And you are blessed. And you are welcome again. Rain. Welcome again in the Hitop TV headquarters. Headquarters. And now I get the opportunity to show my people the headquarters of Hitop TV. You're welcome again, bro. I will be back very soon. Are you capable to speak Swahili? No problem. Okay, Mr. Simbizi, karibu tena kwetu. Asante sana kaka. Karibu tena kwetu na ukitaka kukuja tena kwetu, tutakupokea vizuri. Nashukuru sana. Tunataka kujua Simbizi wasema vumba. Maana yake nini kwa Kiswahili? Simbizi wasema vumba ina maana ni babu zangu. Mm. Bila babu zangu angekuepo. Nami singekuepo. Ile pare nasema ile bababu pale Simbizi. Iswahili ya Kenya kijana wewe. Sawa Simbizi. Bana sema Simbizi ile Simbizi asema vumba naye ira. Simbizi wasema vumba. Ningependa nikushauri maana interview yako ya Kifaransa ni nzuri sana lakini uko unatizama watu ambao unakuwa unapatia interview itakusaidia sana kwa sababu ukipatia mtu ambao uko unataka kumasomo unakuwa unataka kumdhalilisha mbele za watu. Nakuwa nataka kumharibishia brand na kumutengenezea zingine mazingira. Example, yule mwanamke ambao umefanyisha interview. Ndiyo. Nimeona ame alitrendi. Alitrendi lakini alizalilika. Amezalilika. Kila mtu sibi najua. This is entertainment. Entertainment. Lakini yule mwanamke kwanza yule mwanamke atumjui. Si yule kile watu walifahamu. Lakini atumjui. Ile watu walifahamu. Zinda ningependa sasa hii nani system yako. Nimeona watu kama ni wa no beef, kama ni wa nani, wa ambao umefanya. Arafanya yule ana bluetooth. Anaita bluetooth ule. Sawa, sawa. Ningependa sasa ukuna tafuta wengine wa kinani zake. Akinani zake. Wengine
wanakimbia kwa sababu gani ni watangazaji? Na ogopa Frenchi. Wanakupa Frenchi. Pale atakupa interview ya Frenchi. Akupi interview ya Frenchi ule. Hapana pale akupi. Okay. Sinifanya pale na Starboy. Silikuwa naongelea na Starboy. Ulimuona? Uliza pale na cameraman. Silikuwa pale na Starboy anambia sasa Starboy hata fanya interview. Alakatara. Ila pale nakuja naomba landi promote, naomba landi promote afanye interview. Asema kuna problem? Sasa mimi sina boga, lakini na mmoja nao ulikuwa na boga. Bon, yeah, exactement. Yeye alikuwa na boga na ogopa. Baba shauri sasa bambie basi ogopi. Ah, mnapaswa kuwa mnajaribu, mnakuwa mnaji mnajaribu kwa kuongea. Maana hata ukiongea makosa, watu ambao kuna kufuata watakusaidia kwa kuelewa. Maana kama uongea utajua, au utajua kama umejua. Unapaswa kwa sababu na mimi hapa, mimi nimeanza hii kazi sijui hata lugha moja. Ila hivi na lakini hivi na try, I'm trying, yeah. Na kingine kitu napajua mnafaa kitu nyinyi na mnajenga majina kesho mnamjui mtafika wapi ndio na najua kwa sababu yani kuna kitu ambacho naweza nikawaambia sijui gani kisema kwa Kifaransa au kwa Kiingereza au kwa Kiswahili mimi hata niseme makosa mimi nikaogopa kwa sababu mimi nitaogopa nini si unaogopa mimi mtana niko na drip promote mimi kuogopa ni kukimbia mimi nimefanya interview na wazungu tena kwa Kiingereza cha fake na lakini na kipindi kimetrend na kipindi kimeangalia watu wamenicheka na watu walikuelewa lakini wameniambia peti uko na tala na uko na bidii wende ukasome kasome bitabo vipo hivi kuna hivi wakati anasoma soma tu mabili mapoti ya pesa manini matoa nini hii soma na soma soma tu kaka vesielewi ndo maana nimekuuliza pale bila ilikuwa sibielewi ile moya hii pale ile ya tatu hii inakwambia le journaliste s'abstient de publier les articles de diffuser des informations à caractère obscène ou qui encourage le vice le crime ou tout autre ini ile ani sema mkirundi. Iseme kwa sababu na kitu tunaposha tuongee kwa kirundi. Sababu ni sisi ni warundi. Ingingo harabantu bapiblia ibintu bihungabanya. Ushobora guhungabanya umutima w'umuntu cyangwa ugahungabanya igihugu. Umutima ni utangura guhungabana mbere y'igihugu. Ariko n'uzoba n'umuntu azanga akagutera ni iki? Dabore ni wabanze guhungabana. Umujournaliste bimesha makuru bifise power nivyo bitanga information sivyo twarabonye ahantu umuntu ya posta gusa kwazwe ni barabararizibiye batangiye guturira amapine ndoze article news izinga bisigura ko buda igyo tegele mpamvu nakubwiye turisome eh ago abavyi bacu muri sense mwubahwe mwubahwe na ambassadeur w'iri nyamitwe yona ko naho atashyo kugiba kujyo kuhaguma yacya aronkwa yandi mabanga y'igihugu aja kuba ambassadeur muri Ethiopia waneza ko yaramaze kugera kugwego rushimishije kuduha umwatu ya gara ko vyinshi byemaze urani bimura gatabo ibi babihinduye kubera twebwe wa YouTube cyane cyane ari ibintu vyinshi bahinduye muri sense bimwe byo kugenda kuri hamahera he na hehe hari ibintu bahinduye biri muri gatabo amategeko ari ngaha nifuko begera sense bakavugana tukamani mwitinye abantu bakoresha YouTube mwende mu sense ubona kwa akiri ifi bona kupokea ifi bashapo mana bado ya gatabo kugira twe kwa ibintu bahinduye pako bitwa mebadilisha ndani we mugaba kanaka 2018 urumva amategeko bashaka bafite bashaka barabe ibintu ikintu coba kitu gishaka gutuma duhunga abana bisho kuvuga ati twe nk'aba YouTuber hari ibintu by'amafaranga bavuga ati eba izi franga ubiye nshe muri sense unapasha kuziripa unakutana na we atacho uri kurinjiza sasa bakasema eh sasa bakasema aba petit meje muri bibintu abatajana kandi kungene babenshi bareka kuyanikisha ni go tubafunga kwa tubaproteje turage basi tubiyegereza ashobase tutondera ni mategeko aborohereza sasa bagatwambiye sibaka nambe randri promote soma ivyo bintu urabe nimba harimo ibintu wowe ubona yuko ivyo hinduka ubidepose tutabidepose eh ni wewe tuna muda wako sasa ubane muda unaramutse metre muvayo ubawe mtama Chanel secrétaire wa sense yubawe turagukunda cyane mubawe nyeni cyubahiro son excellence Evariste ndayishimiye ubawe na leta yose mubawe turabana banyu turabana bahari turi ngaka tubakorere kandi ko twaweza kumotiva urundi rwaruka kugira ntiruje mu nzira mbi impamvu bona twiremera ubuzi twazana utuntu tukubitagura utuntu je narigeze gusaba umunsi umwe hari ikiganiro nigeze gukora ku radira nikasema hivi none ikomine bayihereza imiliyoni 500 ku mwaka n'ubwo duhereza nk'imiliyoni 500 umwe mu leta waruvuga ati reka simbizi wasema vumba na randi promoter tubahereza imiliyoni 500 z'ikomine. Razimini tuoteza imbere igihugu
angari anguvu inguvu tumaze gukoresha atamitaye duvise kandi kintu cyamino cyarangura gukora je batuye gusa imilyoni 500 gusa zikomi nimwe wazi kintu cyarangura gukora eh hano cha nyanyagirana nyanyagiza abakozi bahito mu gihugu cyose tugavuga ibyiza tugerekana umvira ati wowe rero wowe warumonje nyereka ibyiza biri kuri pitch yo muri Miami America na kese tuzijombe basi miyoni 500 na hatobaye ariko turasave 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 vraiment turasave mwebwe mudukuriye mwe musanzwe murongoye igihugu mwe bavyeyi bacu dukunda twuba murabe natwe mutwibuke ariko rero attention hari umugambi wa pasake wa pasake mwe bya Union Europeenne eh bizirezi lakini sasa zile system si yarwambiye hapana barundi bacu ni hatari Aya mara yake ni aba influencer sivyo? Aba influencer sasa wo umo ni nani? Zisiko zinakura bangire twigera turani. Twigera tunani. Nakunda. Eh bana. So, je vous aime beaucoup. Partagez cette vidéo maximum. C'était une vidéo éducative. Kubera sino za kubona n'umutana nigwa ngo tuyage ngurumva. Gusa nuko waya mbaza ngo abana sabana ugomba kubakwesha. Nkubawe. Sawa. Eh bana Olivier Agera, salam sana.